été amené à rencontrer le centre social, à contacter le centre social par le biais de Pôle emploi. Donc j'étais à la recherche d'emploi comme tout le monde et puis bah, je vais à Pôle emploi et puis je vois une offre. Surtout, bah, la conseillère, elle m'a proposé l'offre et j'ai postulé directement, c'est-à-dire bah, je lui ai demandé d'appeler directement le centre social s'il recherchait encore. Et donc elle a appelé, le poste était encore disponible, donc je me suis déplacé directement au centre social et là, c'est de là où j'ai rencontré l'équipe du centre social. Il proposait un contrat CAE, CAE, contrat d'accompagnement à l'insertion. Donc, c'était pour travailler avec les adolescents du centre social, un poste, comment on peut appeler un référent des adolescents du centre social. Donc, justement, moi, c'était plus le mot social qui me parlait le plus, hein. J'en avais déjà fréquenté les maisons de quartier et tout ça, je connaissais un petit peu. Mais bon, le centre social, je me disais, bon voilà, c'est une maison où tout le monde est accueilli, c'est ouvert, tu viens, tu repars, d'autres viennent, ils repartent. Donc c'est ouvert à tout le monde. L'image au départ, c'était ça, quoi. Donc, ce qui me marque à Condé, c'est la proximité aussi, surtout la proximité, hein. La proximité de l'équipe. Leur connaissance de la population, la disponibilité. C'est tout ça, quoi. C'est la simplicité aussi. Parce que bon, quand on arrive au centre social de Condé, déjà de une, c'est des personnes qui sont identifiées sur le territoire. Donc, et puis, c'est des gens que les personnes savent très bien comment ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles. Ils arrivent, ils rentrent, ils savent ce qu'ils veulent, donc ils se dirigent directement vers la personne et la personne est disponible tout de suite. C'est pas, ouais, tu me téléphones, tu reviens demain, c'est disponible, même s'il y a quelque chose à faire, mais ils se dépatouillent pour pouvoir rendre service. Voilà, c'est surprenant des fois. Des fois, on est sur une programmation, on est en train de monter les plannings et tout. Il y a une personne qui arrive. Bah, est-ce qu'on peut m'imprimer une attestation de la CAF, par exemple? Et on arrête tout et on sert la personne. Et puis on revient à son truc. Et puis on recommence à zéro pour recalculer et tout. J'ai pas beaucoup de mots à identifier ça, mais c'est surprenant quand même la disponibilité, puis bah, la gaieté, la joie. Moi, je venais travailler, j'étais heureux d'être ici, avec les centres sociaux, j'étais heureux. Ma première impression, déjà, j'arrivais, je connaissais pas Condé, donc. Première impression, j'arrive sur un grand parking, je suis reçu dans un bureau avec le directeur et Pascal Lecieux, qui était le responsable de la jeunesse. Donc un peu impressionné, hein, un peu impressionné, et tout de suite j'ai été mis à l'aise. Hein. J'étais mis à l'aise, c'est-à-dire j'ai été accueilli, écouté. Ils m'ont mis à l'aise, ben voilà. Ils m'ont posé des questions, par exemple, sur mes projets, pourquoi je postulais sur le poste. Et voilà, j'ai expliqué, hein, mon projet, c'est-à-dire, voilà, j'avais envie de travailler avec la jeunesse et puis évoluer aussi dans ce domaine de l'animation, de loisirs et culturel. Donc, ce qui m'a marqué, c'est que. Ils m'ont tout de suite pris, c'est-à-dire en me mettant à l'aise, ils m'ont dit, voilà, nous, c'est nous, on est prêts à t'accompagner sur ton projet, nous, on est prêts à t'accompagner, à te former à t'accompagner dans ta formation, dans ce domaine, si tu veux, nous, on est prêts à t'accompagner. C'est la phrase qui m'a marqué le plus, quoi. C'était
j'avais l'impression que les rôles, ils étaient inversés, quoi. C'est-à-dire, oui, je viens, je postule, je propose un service, parce que quelque part, je proposais quand même mes services, mais eux, ils m'ont proposé vraiment de moi me former, de m'accompagner dans ma formation, dans mon projet d'avenir. Donc, c'est la phrase qui m'a marqué le plus, quoi. C'est, on est prêt à t'accompagner pour réussir. J'ai eu l'opportunité de participer à plusieurs projets, notamment les projets qui m'ont marqué le plus, c'était pas dire c'était pas les projets avec les jeunes. Nous, c'était des ateliers, même si on rencontrait des jeunes, on échangeait aussi, mais là, c'est vraiment les projets que Pascal mettait en place au niveau des personnes âgées, les seniors, c'est-à-dire les rencontres avec les seniors, l'intergénérationnel. Par exemple, le projet avec Saïd Bouamama qui était sur le recueil des mémoires 20 ans maintenant et 20 ans avant. Avant. Donc ça, c'est un projet aussi qui m'a tellement marqué parce que moi, je viens quand même de Mayotte et qui est pas, qui est un pays qui se développe seulement maintenant. Et j'étais marqué à la fois par ma jeunesse qui ressemblait, surtout ma jeunesse qui ressemblait à ma jeunesse qui ressemblait plus au Seigneur que aux jeunes qui avaient mon âge. Donc ça, c'est un projet. Quand j'entendais on va le dire comme ça, les vieux disaient que voilà, moi quand j'étais jeune, nos jeux c'était on jouait dehors, on se rencontrait et puis le quartier était ouvert, les jeunes ils étaient dehors, il n'y avait aucun danger, les parents ils savaient où est-ce qu'on était et tout ça. Moi je me retrouvais dans ça, alors que voilà aujourd'hui on parle de jeunesse derrière l'écran de Facebook avec des réseaux sociaux des réseaux sociaux qui sont mais il n'y a pas vraiment de réseaux sociaux, chacun est chez soi et puis on partage une vidéo, on partage une photo, mais c'est tout, quoi. Et ouais, ça fait partie des projets qui m'ont marqué aussi. Après, il y a aussi le projet avec les anciens mineurs aussi. Ça aussi, c'est un projet qui marque. Le recueil de mémoire. Aussi qui est très très marquant, nos origines, les origines de la jeunesse de Condé, du Valenciennois même. Donc ça c'était important et puis ça fait toujours chaud au cœur d'entendre ces personnes-là s'exprimer, quoi. Ces deux projets-là m'ont vraiment marqué, oui. Je pense que les gens, ils ont envie de venir parce qu'ils s'y sentent bien, parce qu'ils sont accueillis. Donc, c'est l'accueil. La première chose que les gens viennent chercher déjà ici, c'est être accueilli, écouté, reçu, et puis partagé. Le plus important, c'est la disponibilité des personnes, je pense. Avant de passer aux activités, c'est un prétexte, je pense, pour moi. C'est un prétexte, les activités, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Donc, je pense que le plus important pour moi, c'est l'accueil, le premier abord. L'ouverture des gens, c'est se rendre disponible pour les personnes qui viennent, qui se déplacent, puis qui viennent là, et puis ils rencontrent une personne qui les accueille, qui les écoute. Je pense que c'est très important pour les personnes qui viennent. Puis après, les activités, c'est un prétexte. Pour moi, c'est un prétexte pour réunir les gens, pour rencontrer d'autres personnes, pour créer de l'événement aussi. Voilà, je pense que pour moi, le mot accueil reste le principal pour moi. Il faut savoir qu'un contrat CAE, c'est 24 mois, donc ce qui vaut à 2 années. Une vie de famille aussi, donc ce qui faisait que j'avais envie d'avoir quelque chose de quand même assez conséquent, assez concret.
Oui, un moment de doute parce que bon, après, j'ai continué à me former. Pendant ces 2 ans, j'ai passé un BPJEPS, un diplôme professionnel, un brevet professionnel quand même dans l'animation. Et après, j'ai aussi, aujourd'hui, je suis titulaire d'un DEGEPS, quoi. Un diplôme de niveau 3 quand même qui est dans l'animation, où aujourd'hui, je peux prétendre à postuler sur un poste de direction. Mais bien sûr, je sais très bien, je n'ai pas l'expérience, mais c'est un diplôme quand même qui me permet de postuler en direction dans l'animation. Donc, ce qui est quand même quelque chose. Ce qui m'a marqué le plus avec les jeunes, c'est... Je veux dire... Ce qui m'a marqué le plus, c'est... Je pense que c'est le brassage. Le brassage, les rencontres que j'ai pu faire des jeunes avec moi, les jeunes avec moi. C'est leur comportement avec moi. C'est tout ça, en fait. C'est l'échange qu'on a pu avoir avec ces jeunes-là. C'est-à-dire quand je les prenais dans le... Dans le babycar, par exemple, où, bien sûr, il se passait des choses que on disait pas forcément à Pascal. J'étais quelque part quelqu'un qui leur permettait aussi de découvrir d'autres horizons, d'autres personnes, d'autres lieux, d'autres activités. Et puis moi j'étais là pour les amener découvrir ces activités-là aussi, hein. Donc oui, je leur servais à quelque chose, pas que sur les activités, mais sur des conseils aussi. Des fois, elle me demandait, bah, Amir, qu'est-ce que tu fais? Tout simplement, pourquoi quoi, là, est-ce que tu travailles? Oui, je travaille. Bah, c'est quoi ton travail? C'est leur dire que voilà, là, c'est un travail, ça s'appelle comme ça, animateur, il faut passer par tel chemin, ou aussi bah, échanger sur mon parcours aussi, échanger sur mon parcours, parce que bon. Ça se voit que je vais à pas du coin. Donc, forcément, avec mes cheveux, ils me demandaient, bah, tu viens de où? T'es quelle origine? Donc, voilà, échanger sur mon parcours. Donc, je viens de Mayotte. Et puis, je suis passé par là et là. Je suis arrivé à Condé parce que je suis passé par ça et ça. Et tout. Donc, ça leur permettrait aussi de découvrir que, voilà, des fois, il faut aller. La vie peut vous emmener très loin de ce que vous pensez. Aujourd'hui, on est sur Condé, on pense que voilà, ma vie c'est là, c'est à Condé, mais du jour au lendemain, elle peut changer et puis partir trop loin. Et puis la recherche de la vie aussi peut vous emmener très très loin et puis rencontrer d'autres personnes qui peuvent vous aider dans la vie aussi. Ouais, c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Des fois, on est confronté à des difficultés. On s'est dit, bah voilà, moi je viens de cette quartier-là, je suis, par exemple, souvent on se dit, ouais, le quartier-là est stigmatisé, bah moi je viens de ce quartier-là, je réussirai jamais, ou on nous le fait croire, on nous le fait croire, mais c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai parce que, bon, voilà, il y a plusieurs exemples vivants, hein, il y a plusieurs exemples vivants et de personnes issues de quartiers qui réussissent, donc. Il faut s'appuyer sur ces expériences-là et puis pas toujours dire ouais parce que moi je suis noir. C'est pas parce qu'on vient d'un tel quartier ou tel endroit qu'on peut pas réussir. Il faut s'accrocher à la vie et puis quelles que soient les difficultés, on arrive toujours à s'en sortir. C'est avec un peu de volonté, bien sûr avec des personnes, s'entourer des bonnes personnes. C'est ce qui est très important. S'entourer des bonnes personnes qui vous permettent de vous orienter, de vous soutenir dans la difficulté, de vous conseiller. Et avec le centre social, je m'y sentais énormément bien, surtout bah, avec mon responsable qui était Pascal Lecieux. J'estime que
On s'entendait super bien, on s'entendait super bien sur les animations, sur l'organisation et même au niveau de l'équipe. Je me sentais vraiment intégré dans l'équipe, accepté dans l'équipe. Et le moment de doute, c'était quand je commençais à me poser la question sur la suite, quoi. Sur la suite, sur quelque chose de concret. Et malheureusement, la situation, tout le monde la connaît, hein. Les situations des centres sociaux actuellement, en ce moment, c'est pas la bonne période, on va dire. Donc malheureusement, j'ai pas pu continuer avec le centre social. Mais c'est pas, j'en ai parlé avec mon tuteur Pascal Le Sueur, qui m'a accompagné jusqu'à là aujourd'hui. Carrément, ça a marché. Ça a marché. Fait un très heureux, c'est-à-dire, j'ai eu l'opportunité de postuler avec l'Unicité, l'association Unicité. Donc là, actuellement, je suis coordinateur d'équipe à Unicité, qui est un organisme, une association qui gère le service civique avec des jeunes qui s'engagent bénévolement et volontairement. Merci.